Politique, J-1 pour l'élection du président de la Fédération Nord de l'UMP. Les militants devront choisir demain à Mouveau entre l'élu roubaisien Max-André Pic, le valenciennois Sylvain Damiani, l'ancien ministre de la Jeunesse Marc-Philippe Daubresse et le député maire de Fallampin Thierry Lazaro. Une élection qui se dirige plutôt vers un duel Lazaro-Daubresse. Hier, nous avons donné la parole au député maire de Lambersart qui a promis de tendre la main à Thierry Lazaro en cas de victoire. Et bien aujourd'hui, nous donnons la parole au député maire de Fallampin. Et vous allez l'entendre, pour Thierry Lazaro, et bien l'UMP n'est pas en guerre. On l'écoute. L'UMP n'est pas en guerre, mais on peut considérer effectivement qu'il y a une lutte que certains qualifient de fratricide. Le 9 juillet, Marc-Philippe Daubresse, qui n'est pas un reniement près, visiblement disait « Je suis président régional de l'UMP, pas président départemental, et je ne serai pas candidat contre Thierry Lazaro ». Moi, j'ai pour moi de respecter ma parole.